Précédemment, dans The ABC Murders. Le 18 juin 1835, Poirot reçoit une lettre d'un certain ABC mettant en quelque sorte au défi notre célèbre détective belge en lui annonçant un événement le 21 du même mois à Andover. Le 21 au soir, Alice Asher, buraliste à Andover, est retrouvée morte. Aucun indice ne permet pour l'instant de remonter au meurtrier. Un mois plus tard, une nouvelle lettre arrive. ABC frappera le 25 juillet à Bexhill-sur-Mer. Prenons cette fois toutes les dispositions afin d'empêcher le prochain crime, et malgré la déduction que le futur victime aurait son nom commençant par B, Betty Barnard est retrouvée morte sur la plage de Bexhill le 25. Encore une fois, Poirot est contraint d'attendre de nouveaux éléments. Ceci arrive le 30 août, avec une lettre d'ABC portant une adresse erronée et donc arrivant en retard, avec l'annonce d'un nouveau meurtre pour le jour même. En effet, une heure après la réception de la lettre, le pneumologue Sir Carmichael Clark est découvert dans sa propriété de Campside à Charleston. Poirot décide alors de regrouper tous les témoins des trois victimes de cette affaire et réfléchir ensemble à dresser le profil du meurtrier. Celui-ci serait ainsi calculateur, sûr de lui, séducteur, intelligent, froid et aimant les trains. À la fin de cet entretien, Poirot réussit à dresser un lien entre les victimes, les maladies des voies respiratoires. Merci d'être venu, Monsieur Poirot. Lady Clark vous attend dans sa chambre, au premier étage. Je vous prie de m'excuser si je n'assiste pas à l'entretien. Je dois conduire Miss Gray à la gare et voir notre notaire à Torquay. Madame, Monsieur, chers amis de la saison de l'été, bonjour et bienvenue pour ce 5e épisode d'Hercule Poirot contre ABC. On va demander si Tora part en vacances. Vous prenez des vacances, mademoiselle ? Pas exactement, Monsieur Poirot. Miss Gray est très aimablement restée avec moi pour régler les affaires de mon frère. Mais il va de soi qu'elle préfère trouver un poste à Londres. Ah, très bien. C'est pas fait. Je serai absent toute la matinée, Monsieur Poirot. Mais l'infirmière va bientôt passer. Je lui ai demandé de doser les médicaments afin que notre malade reste consciente. Merci, Monsieur Clark. Bon voyage, mademoiselle. Voilà, donc on rappelle Madame Clark, Lady Clark, pardon. Nous avait demandé de passer pour qu'on puisse l'interroger. Oula. Ça semble un peu mal engagé. Cette pauvre femme est très malade. Alors. Ouais, le regard absent. Les mains crispées. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur elle? Pas grand-chose. Oui, le médicament à droite, là. Cette femme souffre. Elle n'est pas en état de soutenir une conversation. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, est-ce qu'on tente quand même? On va voir ce qu'il nous dit. Monsieur Poirot. Mes respects, madame. Merci d'être venu. Merci. Avez-vous vu l'infirmière? Elle devrait être là. Oh, pardonnez-moi. Ouais, effectivement, elle n'a pas l'air en très bon état. Le téléphone sonne dans le hall. Ah, des peut-être nouvelles de l'infirmière. Descendons voir. Alors, le téléphone, il est là. Résidence Clark. Détective Hercule Poirot à l'appareil. Bonjour, Monsieur Poirot. Je suis l'infirmière de Lady Clark. Je voulais vous prévenir que je ne pourrais pas venir lui faire sa piqûre. Est-ce que Mademoiselle Gray pourrait s'en charger? Elle vient de partir, mais je peux m'en occuper. Merci, c'est très gentil à vous. Vous trouverez le passe-partout qui permet d'ouvrir la boîte à pharmacie cachée dans le trophée de la Lyonne. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir, mademoiselle. Merci encore. Au revoir, Monsieur Poirot. Très intéressant, ça, les passe-partout.
Ça a tendance à ouvrir un peu toutes les portes qui ont des fois tendance à nous résister. Allons voir donc ce passe-partout dans le trophée de la lionne. Alors, voilà. Voici la clé passe-partout. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ah, de nouveau. Avril 1925, province d'Aceh, Sumatra. Donc la date, est-ce que c'est du trophée? Voilà. Bon, allons à donner ce médicament à Lady Clark au premier étage, en espérant qu'on va pouvoir l'interroger. Alors, hop, donc dans la coiffeuse, ça doit être ici. Alors, ici, il y a une clé. C'est fermé. Bah oui, mais tu as le passe-partout, mon cher Poirot. Voilà! Monsieur Poirot, je me sens mieux. Merci pour votre aide. Bah, de rien. Alors, demandez ce qu'elle a à dire sur le meurtre, lui rappeler son invitation de venir la voir. On va lui rappeler son invitation de venir la voir. Vous m'avez demandé de venir, chère madame. Oui, bien sûr, je voulais vous parler. Mais de quoi, au juste? Vous vouliez sans doute me parler de ce qui est arrivé à votre mari. Ah oui, pauvre Carmichael. A-t-on attrapé le fou qui l'a tué? Pas encore, chère madame. Il y avait beaucoup de monde à Churston le jour du meurtre. C'est vrai, mais les gens se pressent sur la plage et ne s'approchent pas de Combside. Donc personne ne s'est approché de la maison ce jour-là. Qui a dit cela? Les personnes qui vivent sous ce toit. Votre beau-frère, Mademoiselle Gray. Mademoiselle Gray? Oh, je ne l'aime pas. Franklin voulait qu'elle reste, mais j'ai insisté pour qu'elle fasse sa malle, et sans tarder. C'était votre droit, bien sûr. Heureuse que vous m'approuviez. Les autres se laissent tromper par ces airs de martyrs. Et vous? Au moins, vous voyez clair. Clair dans son jeu. Oh. Elle va bien, j'espère. Ah non, ça va, elle dort. Elle J'ai dort. eu un petit stress, un petit instant là. Je dois trouver un moyen de la réveiller en douceur. Alors, un moyen de la réveiller en douceur. Le médic, il a pas l'air d'être disponible. On avait quelque chose sur la coiffeuse qu'on n'avait pas encore vu. Où est-ce qu'il est? Tiroir, non, miroir, non plus, robinet, ah, Cet objet me sera certainement c'est utile. quoi qu'il a pris? J'ai pas vu, il a pris quoi? Un peigne de bronze? C'est quoi ça? On dirait qu'on peut l'associer à quelque chose. Est-ce que je peux l'associer à ça? Non. Il y a un chiffre 3 dessus, donc on pourrait penser qu'on pourrait en faire quelque chose avec autre chose. J'ai vu. Ah oui, par terre, il y a autre chose là. Qu'est-ce que c'est? Cet objet me sera certainement utile. Serait-ce le numéro 2? Un peigne en argent, magnifique! Donc il y a sans doute un troisième caché quelque part ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche? Non. Là-bas sur la commode, oui, on peut observer. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, Ce couple semble passer un bon moment. au moins un couple qui s'entend bien, Charlotte et Carmichael, Lady Clark radieuse, joyeuse partie Lady de... Clark Ok, et Sir c'était Carmichael plus la ont photo été de droite, très mais bon, c'est heureux, pas grave. mais ils n'ont pas eu d'enfants. À ma foi. Ah, en bas là. Ouais, la table de nuit. Qu'est-ce qu'il y a dans la table de nuit? Tiens, tiens, encore un Cet peigne. objet me sera certainement utile. Alors, donc tout ça ressemble un peu à des trucs de boîte à musique.
J'ai vu qu'on avait un truc sur la commode là-bas, j'ai cliqué, on va voir ce que c'est. Ah bah voilà, c'est la boîte à musique. Alors, donc je pense qu'il faut la réparer. Donc on va ouvrir, si je peux, voilà. Alors, on va mettre Well Doré en premier, qui a le 1, suivi du 2. Voilà. Et puis, le 3. Par contre, il n'est pas tout à fait en face. Ah oui, puis il faut remettre un ressort. Donc c'est le ressort que j'ai piqué du porte-mine que Hastings m'avait offert. Espérons que Hastings ne m'en veuille pas. Ah bah, pour espérer. Puis donc maintenant, il faut la faire fonctionner. Donc, faut que je mouline un peu. Alors, oui. Dans un sens, dans l'autre. Allez, petit. J'aimerais te faire fonctionner. Ah voilà, j'étais pas assez, allé assez loin. Ah la voilà de retour parmi nous. C'est parfait. On va pouvoir continuer à l'interroger. De quoi parlions-nous ? Ah oui, Thora Grey. Carmichael l'a portée au nu. Mais pour moi, ce n'était qu'une hypocrite. C'est-à-dire, approuver, préciser que Thora faisait du bon travail. A quand même précisé qu'elle travaillait quand même, puis elle l'a quand même pas mal soignée. Vous croyez pas ? Mademoiselle Grey était travailleuse, pourtant. La belle affaire. Heureusement qu'elle faisait son travail. Vous m'exaspérez tous à prendre la défense de cette fille. Avouez s'être trompé sur Thora. Rappelez que Thora est orpheline. Voilà, rappelez qu'elle est Vous êtes bien sévère. N'oubliez pas que cette fille est orpheline. Oui. Et elle s'en servait pour attendrir les hommes. Voyez Franklin. Il est tombé sous le charme de cette enjôleuse. C'est un brave garçon, très courageux et sûr de lui. Mais il est naïf. Oh, si naïf avec les femmes. Vous essayez de tomber sur Thora de nouveau, ou rappeler que Thora s'est occupée d'elle. Mademoiselle Grey vous a bien soignée, pourtant. En apparence. Mais elle cache son jeu. Je crois qu'elle a cherché à m'empoisonner. Ah bon ? Mademoiselle Grey serait une empoisonneuse ? Mais tout le monde semble l'aimer. Cela montre qu'elle sait s'y prendre. C'est une manipulatrice et une menteuse. Menteuse ? Voyons, n'a-t-elle pas dit que le jour du crime, personne n'était monté à Campside ? En effet. Continuez. Eh bien, à 11h, je l'ai vue de la fenêtre en conversation avec un... individu. Individu ? Vraiment ? À quoi ressemblait ce monsieur ? Quelqu'un de très quelconque, avec un visage très commun. Je ne me souviens pas bien. Était-ce un gentleman ? Ce n'était pas un gentleman. Mieux vaut la laisser dormir à présent. Ouais. On en a quand même pas mal appris. Le téléphone sonne dans le hall. Allons répondre au téléphone. Allez. Ah, quand ils ont inventé les téléphones sans fil, c'était une très bonne idée. Allô ? Poirot ? C'est vous ? Ici Hastings. Ah, Hastings. Merci d'appeler. Vous n'avez pas reçu de nouvelles lettres de l'assassin ? Oh non, Dieu merci. Comment vont les choses à Churston ? J'ai interrogé Lady Clark, mais je ne partirai pas sans avoir inspecté tout ce qui m'intéresse ici. Par chance, Franklin est absent, et je dispose d'un passe-partout.
Avez-vous revu Thora Gray ? Brièvement. Mais réjouissez-vous. J'ai l'intention de la convoquer bientôt à Londres. C'est une fille fascinante. Mais dissimulée. J'aurai quelques questions à lui poser. Poirot, je sens qu'elle est incapable du moindre mal. Chacun ses sympathies, mon ami. Les vôtres vont aux belles orphelines, les miennes aux vieilles dames malades. Poirot, vous vous moquez de moi? Sans malice aucune, soyez-en sûr. À bientôt, mon ami. Alors, allons donc fouiller un peu tout ça. Alors, par quoi on commence? Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table ici? Ah, je voulais aller sur la table. Mais bon, c'est pas grave vu qu'on est ici. Allons voir un peu ce qu'on n'avait pas pu voir. La porte est fermée à clé. Ah ah. Mais pour... La porte est fermée à clé. Mais mon cher Poirot, nous avons un passe-partout. Voyons. Ah mais non, reste là-bas. Reste là-bas. Voilà. Qu'avons-nous là? Ce meuble contient les dossiers des patients de Sir Carmichael Clark. Examinons-les de près et voyons si je trouve des noms connus. Mm-hmm. Si par hasard c'était les deux premières victimes étaient des patients. Pas de poussière sur les dossiers de A à D. On les a manipulés récemment. Tiens, tiens. Aucun nom connu. Ah. Décevant. Ah, dommage. Moi, j'aurais pensé qu'on trouvait quelque chose. Beaucoup de poussière. Les dossiers de E à Z n'ont pas été touchés depuis des années. Mm-hmm. Aucun nom connu. Décevant. Alors peut-être que le meurtrier est parti avec ces dossiers. La collection de Sir Carmichael pourrait rivaliser avec celle d'un grand musée. Certes, certes. Qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? Est-ce que dans le l'armoire un peu secrète là qu'on avait vu, y a-t-il quelque chose de nouveau? Je vois des papiers qui n'étaient pas là lors de ma première visite. Tiens, tiens, le petit carnet qui est là. Rapport d'expertise. Bien. Terrain à bâtir 6 à Combside, Churston. Client Sir Carmichael Clark, 15 avril 1935. Cabinet Kurt & Brodskill. Qu'est-ce que c'est? Oui. Kurt & Brodskill. Cela me dit quelque chose. N'est-ce pas pour ce cabinet que travaille Donald Fraser? Ah! Intéressant. Les autres, c'était la même chose. Est-ce que dehors, il y a quelque chose? De l'ordre et de la méthode avant tout. Terminons d'examiner le manoir tant qu'il n'y a personne. Ok. Allons voir l'intérieur. Sur la table, y a-t-il... Ouh, il y a des choses sur la table qui n'étaient pas là avant. Alors... C'est quoi cette liste? À l'attention de Franklin. Liste de tâches. A. Commander médicaments Lady Clark. Fait. B. Trier les dossiers relatifs aux biens fonciers. Fait. C. Appeler le notaire au sujet de l'inventaire. Fait. D. Mettre à jour la liste des métayers. Fait. E. Mettre à jour la liste des fermages. Fait. F. Renouveler le stock d'arsenic. Fait. D'arsenic? PS. J'ai laissé sur la table du salon quelques objets dont je veux me séparer. Je suis sûr que vous comprendrez pourquoi. Thora. Ok. Alors, elle a laissé la broche. Un dragon obscur pour une fille aux cheveux de lumière. C. Et là, une dague semblable un peu à celle qu'il y avait dans le meuble. J'ai déjà vu des dagues semblables. Celle qui était dans le meuble. Il lui en avait donc offert une, peut-être. Alors, retournons donc ici. Puis on va... fouiller cette malle, vous pensez quoi? Comment vais-je ouvrir cette malle? Examinons-la.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, il y a des autocollants. Allons voir les autocollants. Si on lève ça. Ah, 1927. Ça pourrait être utile, ça. Fiche mon ticket que c'est le code d'entrée. Alors, hop, on va tenter. 1000, donc 1. 9. Je me dirais pourquoi j'ai fait tout ce tour. Je n'en sais rien. Alors, 9. Voilà. Et de l'autre côté, 27. Donc, 2. Si j'arrive à la bouger. Et 7. Je ne demanderai pas pourquoi j'ai fait tout ce tour. J'en sais rien. Allez. Et yes, c'est ouvert. Laissez le code sur la malle. Quel étrange personnage, ce Franklin. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est bizarre, ce truc. Les images. On peut les bouger. Ah, voilà, j'ai trouvé. En fait, on avait sur les images des inscriptions qui nous disaient qu'il fallait mettre l'horloge à 7h et 20 minutes. 20 minutes, j'ai dit. Quel est donc ce bruit? Tiens, ça a bougé ici. Donc si j'appuie là. Et voilà. C'est ouvert, du coup. Alors, des tiroirs. Allons voir. Allez, on commence par le bas pour une fois. Allez, ouvre-toi. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Des clés? Pourquoi Franklin a placé une clé Allen à l'intérieur de sa malle? Je l'emprunte un instant. Clé Allen. Je connaissais pas ce type de clé. C'est vide. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? C'est vide aussi. Soit, il y avait qu'en bas que c'était intéressant. Qu'y a-t-il dans l'armoire? Du whisky et autres boissons de qualité. Monsieur Clark a vraiment des goûts raffinés. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Tant qu'on a cette clé Allen, est-ce qu'au par hasard on peut accéder au... Attendez, si je prends la clé là. Ok. Bon. Ah oui, là en dessous, j'avais pas vu la porte. Une pile de livres, dont un sur les dragons. Rien d'intéressant. Bon, alors c'est vraiment sur là que ça va se passer. C'est bizarre. Attendez. Ah ah, c'est un objet manipulable. Une clé Allen. On peut la mettre dans 5 positions. Ah voilà, puis il faut trouver la bonne forme. Alors c'était pas l'octogone ou... Voilà, c'est pas ça non plus. Mettre la dernière. Non. Non, c'est pas ça. C'est bien la dernière. Le triangle. Alors, si on ressort et que on l'utilise là-dessus, on devrait pouvoir ouvrir ce truc. Bien sûr, faut que je zoome. Ah, sinon, ça fonctionne pas. Allez, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Visiblement, encore des trucs à dévisser. Ouais, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, il nous faut l'octogone maintenant. Une clé Allen. Oui, je sais ce que c'est, Poirot, maintenant. Alors, tac, c'était celui-là, me semble-t-il. On va tester. Ouais, c'est bien ça. Encore une vis. Logiquement, celle de l'autre côté. Alors, ouvre-toi petit, si tu veux bien. Ah,
Alors, voilà, ça peut s'ouvrir. Cette gravure n'est pas très compréhensible. Je devrais arranger ça. Ok. Je pense que vous en avez assez vu de réflexion aujourd'hui, alors attention. Paf ! Voilà. Franklin doit vraiment aimer son pays pour avoir une gravure dans sa malle. Je pense avoir entendu que la trappe au-dessus s'est déverrouillée. Mmh. Il y avait donc une trappe. Je suppose... juste là. Ah là, d'accord. Tiens. Une chevalière. Une chevalière avec un code inscrit dessus. 1587. Elle pourra peut-être me servir. 1587. Paraît que c'est un autre code qu'on va devoir ouvrir. Alors, toujours cette musique qui sonne. Comment elle arrive à dormir, celle là-haut? Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, le petit rituel du miroir. Toujours le petit rituel du miroir. Ça fait gagner l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à l'entrée? Un livre. The Black Dragon Curse. La malédiction du dragon noir. La malédiction du dragon noir. Pour Franklin qui ne grandira jamais. 25 janvier 1928. Car Charlotte... D'accord. Donc un livre qui est à Franklin. Qu'est-ce qu'on a là? Arsenic, tritium, thallium. C'est justement un peu ce que Lady Clark croit qu'on l'a empoisonné, ou bien? Mademoiselle Thora Gray, Combside, Churston, Devon. Trioxyde d'arsenic, thallium. Ouais. D'accord. Qu'avons-nous ensuite? La chambre. Ah ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire déjà? Si vous voulez bien commencer par ça. On ira voir la carte après. Alors. Casque, gourde et fusil. Franklin est bien équipé. Ça va avec les trophées de chasse. English countryside. Raffiné et sauvage. Redécouvrir la campagne anglaise. D'accord. Qu'est-ce qu'on a en dessus là? Les enfants du chemin de fer. Eux, Nesbitt. Ouais, il aime les chemins de fer. Offert à Franklin par tante et fille, Noël 1910. 1910, c'est-à-dire il y a près de 25 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Traveling in China. Voyage en Chine, un guide pratique pour les voyageurs anglais. D'accord. Donc visiblement, il aime les voyages, ce Franklin. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce tableau ici? Tiens, là, non, là, il n'y a rien. Allons voir ça. Oh! Un coffre. Intéressant. Alors, on parie 1578. Ces documents 87, vont très certainement m'aider pour la suite de l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Toujours cette musique. Collège d'Eton, année scolaire 1912-1913, Franklin Clark. Carnet de notes de l'élève Franklin Clark. D'après ses professeurs, Franklin était un élève doué mais indiscipliné. D'accord. Monsieur Carmichael Clark, Combside, Churston, Devon, à l'attention de Monsieur Franklin Clark, Hôtel Peninsula, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Combside, 12 janvier 1935. Donc, quand il était en voyage. Cher Franklin, avant tout, meilleurs vœux pour cette année qui commence. J'ai reçu ta lettre du 10 décembre. Merci d'avoir défendu mes intérêts face à cette crapule de Wang Xing. La situation aurait très mal tourné si tu n'avais agi avec ton sang-froid ordinaire. C'est une qualité que je t'envie.
Ici, les choses suivent leur train ordinaire. Charlotte souffre moins. J'aimerais te donner de meilleures nouvelles. Te souviens-tu de Thora Gray? C'est vraiment une fille charmante et tu n'imagines pas à quel point sa présence à mes côtés me réconforte. Que ferais-je sans elle dans ces moments difficiles? Elle a un goût très sûr et partage ma passion pour l'art chinois. Ma propre fille ne me témoignerait pas plus de sympathie ou d'affection. Elle n'a pas toujours eu la vie facile et je suis heureux qu'elle ait trouvé un foyer chez nous. D'accord. Tu m'écris que tu souhaites rester encore en Chine un an ou davantage. Je n'ai pas d'objection. Plus longtemps tu restes, plus tu auras d'opportunités pour augmenter nos collections. Tu dois pourtant savoir que tu nous manques et que Charlotte ne sera plus de ce monde quand tu reviendras. Mm-hmm. Je reste, cher Franklin, ton frère affectionné. D'accord. Et on a une autre lettre à gauche. Lettre de Charlotte Clark, Combside, Charleston, Devon, à Monsieur Franklin Clark, Hôtel Peninsula, Hong Kong, Combside, 1er janvier 1935. Charlotte, donc. Cher Franklin, je te souhaite du fond du cœur une très bonne année 1935. Alors que je rédige mes cartes de Nouvel An, j'ai une pensée particulière pour toi, toujours souriant, toujours naïf, qui t'en va dans les pays lointains et en revient avec des malles pleines de merveilles. À la maison, tout m'irrite. À commencer par cette petite Thora Gray dont Carmichael fait si grand cas. Je n'ai personne à qui me confier. Je t'écris donc. Comment le dire simplement? Je suis condamné. Je n'ai plus qu'un an à vivre. Comment le sais-je? J'ai ouvert le meuble de Carmichael et j'ai lu une lettre qui ne m'était pas destinée. Une lettre où le docteur Logan annonce sans embâge à mon mari cette vérité qu'il me cache à moi. Donc, je sais, mais mon mari ignore que je sais. Ne le lui révèle pas, je te prie. Et s'il t'annonce la nouvelle, feins d'être étonné. Il le fera sans doute à sa manière, contourné, mais moi, je voulais être la première à t'en parler. Il est important pour moi que tu saches exactement ce qui se passe à Combside. Avec toute mon affection, Charlotte. Donc elle savait. Elle sait, toujours. Une dizaine de souverains en or, quelques actions de la Southern Railway et des bons du Trésor. Tout cela ne vaut pas grand-chose. À peine de quoi justifier un cambriolage. Mm-hmm. Ok, on a vu. Qu'est-ce qu'on a au fond, ici? Franklin semble être très actif. Très actif. Ah oui, du tennis dans l'air, là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, il y a la... Il y a le globe? Non. Donc, je disais, il y a la chasse. Carabine calibre 375. Et puis, les trophées. Franklin Clark semble être le type même du gentleman britannique. Grand sportif, chasseur, voyageur. Bon, alors je crois qu'on en a fini ici. Inspecter les alentours du manoir. Alors on va faire ça. Alors, là dehors, c'est par ici. On va voir si on trouve par hasard de nouveaux éléments qui pourraient faire avancer un peu l'enquête. D'où vient cette horrible odeur de charogne? L'odeur? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Alors, allons par là. Tiens, il est déplacé celui-là. Ah! Des granulés bruns. Répugnant. Cette jardinière ne respecte pas l'alignement. Effectivement. Ah, voilà qui est mieux. La symétrie est respectée. Effectivement. Il y a quelque chose dessous. Ah, voilà qui est mieux. La symétrie est respectée.
Ah, je pense qu'il y a eu un petit bug entre la souris et, et la Morora, comme on dit. Mais bon, c'est pas très grave, on a compris. Il y avait donc des rats dans le secteur qu'il combattait avec ses granulés bruns. Donc peut-être justement cet arsenic, je ne sais pas. Il y a une jolie fontaine. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette fontaine ? Cette fontaine produit un son très relaxant. Relaxant. J'ai le droit de discuter. Enfin, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais moi je trouve qu'elle a... J'aimerais féliciter le jardinier des Clark. Quelle symétrie! Parfait. Oui, tout à fait, mais je trouve que ce son est assez irritant. Bon, il y a une brouette là en bas. Ne pas me dire que je peux rien observer là-dessus. Couche-toi, Poirot. Ouais, voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est sans doute le jardinier qui a allumé ce feu. Tiens, tiens, se pourrait-il qu'on ait voulu se débarrasser de ces papiers? Ouais. Cet objet me sera certainement utile. Ça sera intéressant de voir. Et là, on a encore... la croix de Carmichael Clark. Déjà le petit souvenir. Puisses-tu trouver la paix, Carmichael, Charlotte. Alors, faisons donc travailler nos cellules grises. Pourquoi Thora a-t-elle laissé à Comsal des objets qui lui appartenaient? On a vu qu'elle a laissé une lettre derrière elle. Thor a laissé les cadeaux de Carmichael et on avait constaté qu'il manquait des choses dans la dans le présentoir de Carmichael. Donc, on peut logiquement dire que elle voulait pas se faire accuser de vol. Hein. Tout simplement. Tous les objets que Thora Grey a laissés proviennent de la collection de Sir Carmichael. C'est certainement lui qui les lui a donnés. Mais elle a préféré les abandonner que prêter le flanc au moindre soupçon de vol. C'est compréhensible quand on sait à quel point Lady Clark se méfie d'elle. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Donc, on peut du coup se demander si Thora serait une empoisonneuse, comme le prétend Lady Clark. Alors, en effet, on avait vu qu'elle avait commandé de la mort au rat, mais on a trouvé aussi un rat empoisonné sur les lieux du crime. Et surtout, on a vu la lettre du docteur Logan qui stipule que Lady Clark n'a plus qu'un an à vivre. Donc, empoisonner quelqu'un qui va mourir de toute façon, il n'y a pas trop d'intérêt et c'est un peu stupide. Thora Grey n'avait aucune raison de tuer une personne qui n'avait plus que quelques mois à vivre. Le poison qu'elle a commandé est destiné aux rats. Le jardinier en a fait bon usage, si j'en juge par le cadavre qui empeste le sentier, non loin de la propriété. Tout à fait. J'en ai terminé avec ce lieu. Je devrais ranger le passe-partout et prévenir Hastings que je... rentre à Londres, excusez-moi. Alors, on va aller poser ce passe-partout. Voilà, hop. Avril 1925, province d'Assay, Sumatra. C'est pas ce que je voulais faire. Je pense qu'il faut aller chercher la clé et la mettre là-dedans. Parfait, plus rien ne me retient ici. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à téléphoner à Hastings qu'on rentre. Et je pense que ces petits bouts de papier pourront nous apprendre allô, beaucoup Hastings. De choses. J'ai fini à Churston. Je prends le premier train. Dites-moi, savez-vous comment on restaure l'écriture sur un document brûlé? Oui. Il suffit d'imbiber un chiffon d'une solution d'acide chlorhydrique et de frotter la feuille. Les caractères apparaissent alors. Vous m'êtes d'un grand secours, Hastings. Auriez-vous l'obligeance de commander cette solution dans les plus brefs délais? Certainement. Mais quel document voulez-vous lire? Vous verrez, mon ami. À ce soir. Et bien voilà, c'est ici que nous allons terminer ce 5e épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire à vous abonner pour suivre la fin
par la suite et fin de cette histoire. La prochaine fois, rendez-vous donc lundi prochain pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Vous partez, Monsieur Cust? Oui, je vais à Cheltenham. Vous ne devriez pas voyager. Vous avez très mauvaise mine, vous savez. Il le faut. J'ai pris des engagements. Je dois les tenir.